Bienvenue tous et tous au cérémonie plus extra de Canada. Oui, oui, il faut que vous veniez ici pour être témoin de la bourse qu'on offre, car ça va enrichir la vie d'un de ses concurrents. Il est de soi que j'imagine moi-même avec un de ces bourses. Je veux tellement cette bourse. Tout d'abord, on vous présente Monsieur Samuel Pablington. Je ne crois pas que vous soyez prêt pour lui. Il aime se balader durant les soirs des mardis proches de la mer. Ses potes le voient comme un homme avec des étoiles dans les yeux, car il est tellement envoûté par ses rêves d'être un politicien. Non, 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 non. Sir Pablington était nommé comme le meilleur mathématicien dans son cours de maternelle. En deuxième place était Petit Normand. Sir Pablington était 15 au moment. Bienvenue à notre deuxième candidat, Billy Bob le troisième. Il doute qu'il aille recevoir le bourse, mais il sait que s'il ne fait pas cela, il aura un très grand regret. Sa mère lui dirait comme cela. Billy Bob est un flatteur. Il est si gentil avec ses amis. Hélas qu'il n'est pas très bien éduqué. Mais il m'a toujours dit qu'il veut améliorer. Il faut que vous sachiez qu'on n'a pas nous tromper, car il est un des gosses les plus gentils de l'école. Introduisons Billy Bob le troisième! Salut mes amis, mon nom est Billy Bob le troisième. Je viens à l'école Quantland Park. J'ai plusieurs souvenirs de l'école, mais plusieurs d'entre eux sont rouillés. Alors, je dois faire mon meilleur pour bien rencontrer. Oui, je suis bien prêt. En 8e année, mon professeur de mathématiques annonce qu'on aura notre examen final le mois prochain. Durant cette semaine, j'ai accueilli une foule de mes amis pour m'aider à étudier. Mais quand le jour de l'examen est venu, c'est comme si j'étais devenu amnésique, car j'avais tout oublié. Oh là là, j'imagine que vous êtes triste, que vous aviez étudié pour si long et que vous... Pablington, il faut taillir. C'est pas votre tour. Cher juge, cher parent, cher professeur et cher ami, je suis le super candidat car je suis vachement chouette et super. Notamment, je suis le meilleur étudiant. Ah, ce n'est pas juste que Sr. Pablington n'a jamais reçu de karma. Un de ces jours, il va ressentir. Monsieur le juge, je propose que vous me donniez ce bourse car je suis un étudiant studieux. J'ai créé le club Student Council, Phoenix Initiative et Furry Fan Club à l'école de KP. Je suis un des étudiants les plus influents à l'école et tout le monde fait ce que je dis. Je suis doué. C'est pour ça que le bourse vaudrait mieux à moi. Je vois que vous êtes bien éduqué, non? Oui, je sais. Il faut que je fasse quelque chose pour ne le pas laisser gagner, car son profil de personnage est un contrefaçon. Ce Pablington est si énervant. Il exagère toujours la vérité. Je suis d'accord, mais je propose qu'il soit un meilleur candidat s'il raconte la vérité et s'il était un peu plus modeste. S'il était aussi admirable que Billy Bob, Sir Pablington serait un choix facile. Il vaut mieux choisir basé sur l'intelligence et de ne pas mettre nos bailles dans cette décision. Salut, Ratin. Êtes-vous prêt à perdre? J'ai entendu dire que vous avez échoué à votre examen de mathématiques. Vous êtes franchement débile. Vous êtes un des étudiants les plus corrompus que je connaisse. C'est vrai. Et je ne suis pas tout blanc. Il dit des mensonges. Il faut que je passe le mot. Hey! Zut! Les juges nous appellent. Adieu! Ah! Il est si énervant. Bonjour, Sir Pablington et Billy Bob. Je vous présente ici pour qu'un de vous puisse gagner sa bourse. Malheureusement, seulement un de vous sera gagnant et l'autre sera nul. Les fruits seront présentés en quelques secondes. Mon petit poney. À vrai dire, c'est l'une de la marchandise le plus utilisée ici au studio. Je vous promets que je l'utilise quand je suis au petit coin, aux quatre coins du monde, et quand je
prend soin de ses orphelins. N'inquiétez pas, vous avez le droit de le délaisser, car il n'est pas vivant. Frappe. Regarde, aucune cicatrice. C'est impossible de le crever. Il est petit, mais ne le prenez pas pour vain. Je ne vais pas vous manger. Il faut que vous consacrez vos vies à lui. Désormais, nous ne serons pas responsables si vous vous trouvez dans le pénombre de son estomac qui vient des premières morts. Être vraiment audacieux n'est pas trompé par son apparence. Il faut que vous sachiez que je n'ai aucune association avec ce poule. Laissez-moi dépeindre une image pour vous. Durant ces moments intenses, on peut voir Billy Bob est en train de prier pour un désir instable. Et le gagnant est... Sir Babington! Billy Bob ne croit pas qu'il parle. Je n'y ai pensé pas que je l'aille lâcher contre ce bat. Monsieur le juge, je regrette de vous informer que Signor Parrington a triché. Je doute que vous ayez de preuves pour soutenir vos revendications farfouleurs. Oui, j'ai de preuves. Signor Parrington est une triche, une menteuse. Tout ce qu'il vous avait dit, il n'a pas créé les clubs Student Council, Phoenix Initiative. A free fan club. Et surtout... Non. Signor Pablington, je vois que tu as un bourse qui ne t'appartient pas. Me le donne. C'est à cause de toi que je l'ai perdu.